Claire, j'aurais voulu savoir en fait comment ça va, comment tu te sens. Pourquoi tu me poses cette question? Comment veux-tu que ça aille avec ce qui est arrivé? Je vois pas pourquoi tu me poses la question, ça tombe sous le sens. Franchement, cette rando, on n'aurait jamais dû la faire, je le savais. On n'était pas super bien préparés. Pourquoi on s'est aventuré comme ça dans les bois et... Oui, mais enfin, tu comprends bien que moi, c'était pour qu'on passe un bon moment ensemble. Je vous ai proposé cette randonnée, je pensais pas au pire. Enfin, quand on fait du sport, on ne pense jamais qu'un accident va arriver. Bah ouais, mais moi, maintenant, je me retrouve... ma vie est complètement changée, je verrai plus jamais... je verrai plus les gens qui sont en face de moi, je pourrai plus me déplacer comme je veux, je pourrai plus faire ce que j'aime, j'ai plus de travail, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre, et puis il y avait le sport, moi le sport, voilà, ça me permettait d'avancer, et maintenant je pourrais plus courir, je pourrais plus... Bah écoute, justement, je voulais t'en parler, enfin, je pense qu'avec le médecin, on pourrait peut-être essayer d'y en parler, peut-être qu'on pourra trouver une solution, c'est-à-dire que même si tu n'as plus la vue, ben, peut-être que lui, il pourrait te proposer un sport qui pourrait te convenir, même en n'ayant plus la vue, quoi. On pourrait peut-être essayer de trouver un sport plus adapté. Non, mais je sais même pas si j'en ai envie, je pense que je serais jamais capable de courir en sachant pas ce qu'il y a devant moi. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est au moins déjà le rencontrer et puis discuter avec lui et voir. Parce que bon, moi je connais pas trop, mais peut-être que lui il pourra t'apporter plus de renseignements que moi. Ouais, peut-être, pourquoi pas, mais je suis vraiment pas convaincue que. Je sais pas. Micheline, je m'attendrai ma prochaine passe par le jeu. Allez-y Claire, entrez. C'est droit devant vous. Alors, comment ça va? Écoutez, ça va. Alors où on en est à propos de ce problème? Non, t'as mieux la cicatrice, est bien cicatrisée? Alors, vous venez parce que vous voulez reprendre votre activité? Oui, j'aimerais bien faire un petit peu de sport. J'en ai déjà parlé un petit peu avec... Oui, c'est tout à fait faisable. Hein. Il y a des associations qui existent. Vous pouvez prendre contact avec elles et elles vont pouvoir organiser votre projet sportif. Hein. Vous serez partante? Ouais, enfin, peut-être pour faire un essai, je suis pas certaine que ça puisse marcher. Enfin, c'est compliqué quand même. D'accord. Bon, avant de débuter là-dedans, hein, vous allez voir avec les rééducateurs là, de l'hôpital, voir un petit peu faire le bilan, voir ce que vous êtes capable de faire. Et puis après, si tout va bien, à leur niveau, il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Hein. Vous pouvez faire, vous pouvez y aller, je donne le feu vert. C'est faisable, hein. Vous serez d'accord pour le faire? Ouais, pour essayer un peu, mais enfin, il y a du travail, je pense que... En tout cas, moi, je vous conseille fortement, hein, le sport, c'est très bénéfique, hein, vous pourrez mieux appréhender votre handicap, je pense. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Si, et puis... Enfin, le sport, j'ai toujours aimé ça, donc oui. Je pense que... Après, c'est sûr, bon, faudra de la patience, faudra du temps... Mais ça, vous découvrirez après. Hein. Je vous mettrai, si vous voulez, après en relation avec une personne qui s'occupera de vous. Et vous verrez, après, vous pourrez aller loin, peut-être. Surtout que vous avez fait avant, déjà. Oui, je faisais de la course à pied. Ouais. Oui, bah, écoutez, pour ma part, il n'y a aucun souci. Hein. Aucun souci. D'accord. Bon, sinon, au niveau des résultats biologiques, pas de problème. Hein. C'est ton premier entraînement, on va y aller doucement. Hein. Oui. Donc on va commencer par un petit échauffement. D'accord. Puis après, on commencera à essayer de courir ensemble. Hein. D'accord. Donc l'important, c'est que ce soit toi qui mène le rythme. Hein. Mm-hmm. Moi, je suis là pour te guider. Oui. D'accord. Donc dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est que déjà tu reprennes le plaisir, que
des nouvelles sensations. D'accord. Donc, voilà. Okay. On commence par un échauffement alors. Ouais. À vos marques, prêts, top! À vos marques, prêts, partez! Putain! Allez, c'est pas grave, on va y arriver. On va recommencer. Place-la, pas grave, c'est normal au début qu'on est en retard. Allez, viens, on va recommencer. À vos marques, prêts, partez. Ah bah cette fois c'est moi qui est parti. Non, non. C'est tard. C'est pas grave, faut juste qu'on soit bien coordonné, et puis après ça ira mieux. À vos marques, prêts, partez. Non, non, mais ça va bien aller. Regarde, le départ, on y est arrivé. On arrive à bien courir ensemble. Okay. Allez, c'est pas grave, on recommence. Ça valait le coup de faire des efforts. Hein. Non. Et au niveau du chrono, ça va? Bon, maintenant on va progresser, mais je pense que c'était pas mal. Ouais. Ok, très bien. Il faut qu'on continue à s'entraîner, mais là c'était bien. C'est bien, je suis fier de toi. Okay. Merci. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé cette séance, mais je trouvais vrai qu'on avait bien progressé. Donc, il y a quelque chose dont je voudrais te parler, c'est qu'il y a les championnats de France dans 2 mois. Donc, oui. Pour savoir si ça t'intéresserait de les faire avec moi. Championnat de France, mais tu crois que on est capable? Ah, je pense que t'as le niveau, hein, franchement. T'as bien progressé. Ouais, mais au niveau de si notre... Si on continue comme ça, on peut y arriver. Au hein. Niveau du chrono, tout ça, ce serait possible? Si, si, mais on fait des bons chronos. Hein. Par rapport à ce qui se fait... Ouais, on est dans la moyenne. Hein. Okay. Donc si on continue de progresser comme ça, ça pourrait être intéressant. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Ben, ouais, pourquoi pas, mais... Ouais, ça peut... Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, tu te fais plaisir quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, je suis vraiment... T'as retrouvé quand même le ouais, goût de la course. Ouais, je suis vraiment contente de pouvoir courir à nouveau. Ouais. Ouais. Ouais, et puis ça se passe bien, donc...
serait... Ouais. Il faudrait certainement plus s'entraîner, mais... On peut peut-être augmenter les entraînements, tout en restant sur le même état d'esprit. Ouais. C'est vrai qu'on s'entend bien, on ne discute pas, donc ça pourrait être intéressant d'aller plus loin. Ouais, bon, tu veux bien.